Bonjour ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับโมอีกแล้วนะคะที่ Channel อ้นหลันลางกับแตงโมค่ะโดยก่อนที่เราจะไปเริ่มหัวข้อในวันนี้กันนะคะโมก็อยากจะมาเกริ่นอะไรสักนิดนึงค่ะโมเนี่ยเริ่มต้นทำ Channel นี้ประมาณ1ปีแล้วนะคะโดยที่เป้าหมายเนี่ยก็คือจะมาแบ่งปันความรู้ด้านภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ประสบการณ์ให้กับทุกๆคนที่อยากเรียนภาษาฝรั่งเศสหรืออยากที่จะไปศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะโดยผู้ติดตามของโม100คนแรกนะคะก็คือเพื่อนที่ทำงานแล้วก็ครอบครัวของโมเองค่ะจาก100ไปถึง 1,000 นี่ก็ค่อนข้างยากมากๆเพราะว่าตอนนั้นเราก็ยังไม่มีวิดีโอยังไม่มีคอนเทนต์ใช่ไหมคะแต่พอถึง 1,000 แล้วเนี่ย 10,000 นี่เป็นแบบเหมือนความฝันเลยเพราะว่ามันช่างไกลจริงๆนะคะซึ่งในวันนี้นะคะโมก็มีผู้ติดตามครบ 10,000 คนแล้วโมก็เลยอยากจะมาขอบคุณทุกๆคนค่ะแม็กซี่แม็กซี่แม็กซี่แม็กซี่ดีมีนฟัวนะคะขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจทุกคำแนะนำทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะทุกข้อความทุกคำถามที่ส่งมาให้โมผ่านทาง Facebook Line Instagram หรือว่าจะเป็นคอมเมนต์ใน YouTube นะคะโมอยากจะขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่เป็นกำลังใจให้กันค่ะแล้วโมก็จะพยายามปรับปรุงแล้วก็สร้างคอนเทนต์ดีๆออกมาเพิ่มเติมค่ะเพื่อฉลองครบ Dimin Dabone นะคะโมก็ได้มา create playlist อันใหม่ที่ชื่อว่าคุยภาษาฝรั่งเศสซึ่งในเพลย์ลิสต์นี้นะคะโมก็จะมีการเรียนเชิญหลอกล่อหรือว่าบังคับเพื่อนนะคะที่พูดภาษาฝรั่งเศสได้เนี่ยมาคุยกับโมในหัวข้อต่างๆค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีหัวข้อที่น่าสนใจมากเลยก็คือคำภาษาไทยที่มีรากศัพท์เป็นภาษาฝรั่งเศสถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะวันนี้เราพร้อมยังมีเต้ Bonjour Pierre Bonjour ça va très bien et toi?Moi, ça va très bien. Avant de commencer, j'aimerais bien que tu te présentes un petit peu. Donc, je vais te poser quelques questions. D'accord. D'accord. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Pierre. Et qu'est-ce que tu fais comme travail ? Je suis ingénieur en informatique chez Google. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais ici en Thaïlande ? Je suis venu en vacances, me reposer un peu et profiter de ce magnifique pays. D'accord. T'aimes bien ? Oui. La Thaïlande te plaît ? C'est super. D'accord. Et tu sais ce qu'on va faire aujourd'hui ? Oui. Tu vas essayer de me faire deviner des mots thaïlandais.Qui ont une ressemblance avec des mots français. Oui, et pour compléter, on va voir des mots qui ont une origine française aussi. Non, c'est les mots qui viennent de la langue française. D'accord. Ok, il y a 10 mots sur mon papier. Voilà, justement. Je n'arrive pas à lire. C'est en thaïlandais. On va commencer avec le plus facile, évidemment. Le premier mot est café. Café. Ah bon. Voilà. Café, c'est un mot masculin.Et en France, vous buvez beaucoup de café. Oui, énormément. Enfin, surtout moi. Toi, tu bois combien de café par jour ? 3-4 cafés par 3-4. Jour. Bon, ça va, parce que j'avais des collègues qui buvaient 5-6. Ce sont des petites tasses de café. Non, ce n'est pas un café glacé comme en Thaïlande. Deuxième mot, chauffeur. Un chauffeur. Un chauffeur. Donc, c'est comme en France. Ici, les conducteurs d'un véhicule, ça s'appelle aussi un chauffeur. Troisième mot, très facile.Champagne. Champagne. Champagne. Il y a de signification pour ce mot-là. Tu peux dire le premier en masculin ? Le champagne à boire, qu'on a bu au Nouvel An. Oui. Et la Champagne, la région en France. Oui, exactement. Le quatrième mot est balai. Un balai. Un balai. Nettoyer. Non. exactement. Non. Balai. La France, balai.Tu penses à quoi ? La France, balai, pour danser alors. Un balai. Ok. La danse, danse classique, ouais. Oui, balai, en thaïlandais c'est balai, non, on a aussi pris ça de la langue française. Ok. Moi je faisais du balai, tu sais, quand j'étais petite. Très bien. Il y a très très longtemps. Très très longtemps. Le cinquième mot est kiu. La queue. La queue, et il y a aussi deux significations. Tu peux dire la première ? La queue pour les animaux. Oui, la queue d'un chien, la queue d'un chat. Donc, en thaïlandais, on dit ça seulement pour dire faire la queue. Quand tu vas dans BTS ou au supermarché, tu fais la queue derrière quelqu'un. Oui. D'accord ? Ok. Le sixième mot, c'est très facile. Français. 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 Donc, le mot français en Thaïlande, ça va dire aussi la France.Prater français, on utilise ça aussi, ou con français, comme toi, c'est un français. Mais en français, si c'est une dame, on doit changer le mot français en féminin. Donc ça se prononce française aussi. Donc si c'est une amie qui est française, Pierre il est français,
T'es pas française? Non. Ok. Le septième mot est bouquet. Un bouquet, comme pour les fleurs? Oui, non, en thaïlandais, on utilise le mot bouquet, mais il y a aussi un mot thaïlandais, ce qui est chaud, mais les deux se utilisent. Le huitième mot est parquet. Parquet. Le parquet, le sol? Oui, exactement. Donc, ça, c'est utilisé vraiment couramment. Dans toutes les maisons, les appartements, on met du parquet aussi en Thaïlande. D'accord. Neuvième mot, un peu plus difficile. Consonne. Une consonne? Non. Consonne. Quand tu vas à l'ambassade, faire ton... Un consul. Oui. Un consul, c'est une personne qui travaille dans les ambassades ou dans les consulats à l'étranger qui représente leur pays. Donc en thaïlandais, c'est consul. Le dernier mot est une combinaison d'un mot thaïlandais et un mot français. Ok. Khanom, pain. Khanom, ça veut dire un gâteau et derrière, c'est pain. Le pain français. Le pain, d'accord. Donc en France, vous mangez beaucoup, beaucoup de pain. Tous les jours. Nous, pas trop, mais on a ajouté le mot khanom pour dire que c'est quelque chose qu'on mange. D'accord? Et voilà, ça a dit tout! Merveilleux! Bon, c'était facile! C'est facile! Non, pour finir, est-ce que tu peux donner quelques conseils aux gens qui sont en train d'apprendre le français? Oui, bien sûr! Je pense que le plus important, c'est d'être patient. C'est une très belle langue, mais il faut la pratiquer régulièrement. Et si vous écoutez assidûment les vidéos de Tangmo, tout se passera bien. D'accord, merci. ถ้าชอบวิดีโอนี้นะคะโมก็ฝากกดไลค์แล้วก็เขียนคอมเมนต์บอกโมด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าโมก็จะมีแขกรับเชิญคนใหม่หรือคนเดิมนะคะมาคุยกับโมต่อค่ะ Merci à toi et si t'es libre pendant tes vacances tu peux revenir faire une autre vidéo Avec grand plaisir D'accord, merci d'être là, à bientôt Au revoir